Yop à tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, on se trouve sur un jeu que probablement vous aimez, hein, probablement. On est de retour, bien sûr, hein, on est de retour sur Call of Duty Modern Warfare 2. Je suis accro à ce jeu, je dois dire, ces derniers temps. Je vous ai fait aussi un live, etc. Aujourd'hui, on va tester le mode zombie. J'avais envie de tester le mode zombie parce que moi, personnellement, je n'ai pas encore joué, on va dire, approfondi à ce zombie. Je l'ai joué. Attendez, je vais vous placer autrement. Alors, je disais, les gars, le mode zombie, je l'ai personnellement jamais, jamais essayé. Pour vous dire la vérité, j'ai aucune idée. Enfin, jamais essayé. Non, je l'ai quand même essayé une seule fois. Personnellement, je sais pas à quoi m'y attendre, tu vois. Donc, je sais pas si c'est maintenant. Je me rappelle plus en fait parce que je l'ai essayé vite fait la première fois quand j'ai acheté le jeu, donc ça date déjà. Et depuis, je l'ai plus essayé. Maintenant, j'ai aucune idée qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qu'il y aura. Aucune idée. Voilà. On prend attaque. Les gars, je sais pas. Franchement, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez joué à ce jeu. Au mode zombie. Parce que moi, personnellement, les gars, je sais pas absolument comment et quoi m'y attendre. Tu vois, donc c'est... Je sais pas, après, personnellement, j'ai aucune idée. Après, ce que je pourrais m'attendre, c'est peut-être du genre comme on l'avait déjà vu sur le Call of Duty récent, je sais pas. Donc, vous savez que je regarderai toujours là pour la partie. Donc, personnellement, je sais pas. Ah, ok, on s'attend vraiment. Donc, vous voyez que ça fait... J'aime quand tout est calme, Ok. pourvu que ça dure. Alors, vague 1. Ok. Donc, est-ce qu'on peut les tuer comme ça? Ouais. C'est vrai que ça fait un drôle d'effet quand on les attaque comme ça. Hein. Ça fait vraiment un drôle d'effet. Et il prend beaucoup de temps, je trouve, à les exterminer, tu vois. Donc, à un moment donné, je pense que on pourra pas continuer de cette manière, hein, on va dire. Nos points sont là à gauche, ok. Donc la prochaine vague c'est dans 7 secondes, on le voit en haut à droite. Ok, donc on va dire que pratiquement la base du zombie, il est resté. Donc pour l'instant, on va dire que ça pourrait passer. Maintenant, est-ce que ça va passer avec ça? Ça je sais pas. Oh, nique ta mère, il m'a fait peur. Putain, il m'a fait peur. Vous voyez, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est déjà la deuxième vague. Elle est comme ça, les gars. Ça commence déjà à être chaud, tu vois. Moi qui sais pas viser, ça commence encore à être un peu, encore plus chaud. Voilà. Alors, on va partir d'ici. Voilà. Et on va continuer. Donc, à mon avis, ici, c'est comme dans les nouveaux, on va dire, zombies, où il y a des énigmes, machin, chouette! C'est vrai qu'avec la fusil à pompe, on peine un peu, hein. Avec ça. Ça devrait y aller un peu mieux, tu vois. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ok, on n'a pas de courant, donc on doit aller chercher à nouveau un générateur comme on est habitué, justement, comme je vous disais,
par rapport aux autres qu'on connaît. La bombe. C'est fait. Voilà. Et on a réussi, c'est ça? Ok, donc je dois un peu m'y mettre. Hein, mais on va essayer. J'ai. Est-ce que. Non, non, non. On va attendre un tout petit peu. On va refaire à nouveau pour qu'on rassemble un tout petit peu de plus. Maintenant, pour tourner la valve. Alors, toi, t'as vu de la vierge, frère. Ok. Ok. Je veux même pas viser, tu vois. Je crois que ça me gêne. Un tremblement de terre. Ah, ça aussi en plus. Arrête. Plus de pression et les griffes font boum. D'accord. Je suis à fond dedans. Désolé que je parle pas. J'essaie de me concentrer sur le jeu. Pas très évident. Elle a un coup ici en mort. C'est déjà pas mal. C'était quoi la valve là? J'ai pas compris en fait. What? Fuck nigga. C'était quoi la valve là? Elle est où? Oh merde, je l'ai perdu. C'est quoi les valves là? Ça j'ai pas compris. Merde, ça c'est ma faute. Comment on fait pour activer l'autre truc? Ah désolé, je savais pas. Comment on fait pour activer ça j'ai pas fait gaffe, mais dites-le. Ça j'aimerais bien savoir de votre part. Comment est-ce que comment vous la pensez par rapport à ça. Par rapport avec la valve, ça par contre j'aimerais bien savoir avec la valve, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc ça c'est un truc que je sais pas. Ouais nigga. T'es sérieux là? Je perds déjà de la vie comme ça mec. J'aimerais bien savoir avec la valve justement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a-t-il un truc spécial par rapport à ça? Ça j'aimerais bien savoir. Bon certainement plein d'entre vous le savent déjà, mais moi vu que je découvre on va dire ce jeu. Maintenant on va dire plus ou moins vaguement pour moi c'est quelque chose on va dire de nouveau tu vois. On va dire voilà. Donc ça par contre je sais pas ce que c'est. Donc vous voyez c'est plein de trucs que moi encore je dois voir. Parce que j'ai aucune idée à quoi est-ce que je vais rencontrer ici. Donc plus ou moins je suis on va dire amateur ici dedans. On va dire que encore avec les autres, je le savais. Que là, non, pas du tout. Putain. Je crois que là même, je devrais aller. Voilà, je voulais tester le truc. Comment il marche? Il marche le truc mec. Aucune idée. Ah activer. Ah ok. Ah j'avais pas lu ça avant tu vois. Ah merde ça j'aurais pas dû prendre mec. Chier. On va rester quand même encore une vague ici. On va essayer. Si on n'y arrive pas avant j'avais même pas su.
peut exploser les grilles. Ah, c'est ça en fait, alors les valves. C'est le gaz. D'accord, d'accord. Donc ici, on avait une. Donc ça, c'est pour faire exploser le tout. D'accord. Ok, donc l'énigme, elle a l'air pas mal, tu vois. Il y avait encore une valve ici, quelque part. Voilà. Vite, 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 vite. On dirait que le gaz est en train de circuler, mais il en faut plus. Il en faut plus, c'est-à-dire qu'il y en a encore. Hein. Il y en a encore. Alright. On va dire alright. Crevez, bande de bâtards. Crevez, bande de bâtards. Venez. Venez par ici, venez chez Peppa. Elle pas là là. Pourquoi tu prends le malin quoi? Tu prends le malin quoi? Et toi pourquoi tu cours mec? Prends ta joie mec! Allez défonce leur petite tête! Ta 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 ta! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens une grenade! Moi je me tue moi-même, je suis trop fort. Trop fort. Faut tourner, faut tourner. Tiens mec. Voilà. Oh. C'est chaud. Est-ce qu'il y a encore des valves par ici? Parce que moi je sais pas où est-ce qu'ils se trouvent tous. Donc probable que je vais en rater. Hein. Donc moi je m'y connais pas. Et en plus d'ailleurs je sais même pas quoi faire y avec. Hein. Donc c'est bien marrant de me dire à le courant pas de générateur quelque part. Mais moi ici je m'y trouve pas, tu vois. Là je me mets moi-même en piège, donc ça vaut pas la peine. Pas du tout la peine là. Se mettre en danger inutilement. Je sais pas si je vais pouvoir réussir. Hein. Merde, 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 merde. Nique ta mère. Ah bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Donc je trouve quand même assez sympa ce mode zombie, je dois dire. En même temps, je dois dire que c'est pas fait, il est pas fait pour moi, tu vois. Donc, en même temps, je dois dire que le jeu pourrait, enfin le mode zombie pourrait être un peu plus autrement, tu vois. Mais bon, mais moi je suis de toute façon en mode ancienne, hein, vous savez. Moi je suis celui qui adore jouer à celui de Black Ops 2 ou même Black Ops 1. C'est pour moi le légendaire, hein, c'est le zombie légendaire, le mode zombie légendaire. Après, certains ont ses préférences. Je pense que plein d'entre vous vont aimer celui-là et je peux le comprendre. Il a l'air quand même intéressant. On va certainement se retrouver dans une des vidéos, bien sûr. Sur le mode zombie à nouveau pour réessayer, pour voir où est-ce qu'on va, on pourra arriver. En tous les cas, ça a l'air intéressant. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez ce mode zombie. Donc je pense que ça fait déjà un certain moment que vous le jouez. Et à quel manche vous êtes déjà arrivé, comment est-ce qu'il est l'énigme, etc. Donnez-moi un peu quelques conseils par rapport à ça pour que peut-être je pourrais faire un peu plus vite, ou à quoi est-ce que je devrais faire plus attention, etc. J'aimerais bien savoir vos avis dans les commentaires. Donc avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa, très important. Plus on est, mieux on est. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa tout net. Peace tout le monde. Tu m'entends? Coucou? Non, en fait, c'est pour te dire...
Abonne-toi à la chaîne, c'est gratuitement, et laisse un like, ça ferait plaisir, parce que si tu laisses pas un like et tu t'abonnes pas à la chaîne, tu pourras plus suivre les meilleures vidéos du monde. Or t'excède pas, c'est mort pour toi. Putain, je viens de rimer.